Donc bienvenue, on va démarrer notre troisième édition du Meetup Possible à Marseille. Là, certains qui sont venus aux trois, bravo. Donc là le petit programme un petit peu, ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une présentation principale par Rémi ici présent. Et puis après on commande des pizzas et comme ça on peut rester jusqu'à... Voilà, le temps de manger des pizzas, de discuter après de la présentation ou autre. Donc voilà. Oui, c'est organisé par Evolix, juste très rapidement. Du coup, c'est Evolix qui paye les pizzas et qui s'occupe du lieu, etc. Autre. On est une société à Marseille, on existe depuis 15 ans, on est une vingtaine de personnes, présents à Marseille principalement, mais aussi à Paris et à Montréal. Et notre métier, c'est de faire de l'administration système, de serveurs, Debian et un petit peu BSD. Donc voilà, on infogère à peu près 800 serveurs pour des clients comme l'ONU, comme FloraJet, comme enfin voilà, des clients un petit peu e-commerce ou enfin qui ont des infras un petit peu critiques. Donc voilà, ça je passe un petit peu rapidement. On est là pour parler d'Ansible. Je ne vais pas spoiler, tu ne vas pas faire une présentation complète d'Ansible. Si je dis que c'est un outil d'automatisation, de configuration, d'infra et de déploiement, j'ai bon ? Tu as bon. Ça va ? Ça va. Ce qu'on peut dire, c'est que ça sert notamment donc à automatiser la configuration et la gestion de serveurs, dont Evolix, par exemple, on utilise beaucoup. Ça fait un déploiement de logiciels et l'exécution de tâches, on va dire, via une connexion SSH, si on essaie de donner une définition très, très stricte sur le fonctionnement. Et vraiment, les principes de base, où on avait fait une présentation finalement un petit peu d'Ansible lors de la première édition. Et du coup, comme on filme, il y a une petite vidéo où du coup, notamment Jérémy avait fait une présentation des principes de base d'Ansible, mais ce qu'on met pas mal en avant, c'est que du coup le fait que ce soit agentless, qu'il n'y ait pas d'agent, donc ça permet d'avoir une prise en main qui soit quand même progressive. Et le concept, et là qui est commun avec un certain nombre d'outils, d'idempotence, qui effectivement permet d'être déclaratif. On dit le résultat qu'on veut avoir, et après, en théorie en tout cas, Ansible se débrouille pour atteindre ce résultat. Voilà ce que je dirais sur Ansible. Très rapidement, et le but c'était de revenir un petit peu parce que du coup en mai 2019, depuis le dernier meet-up qui était début 2019, bah, il y a eu la sortie d'Ansible 2.8, ce qui est bon, à une certaine échelle, il n'y a pas si longtemps que ça, on va dire un gros mois, parce que je crois que c'était fin mai 2019. Je ne sais pas s'il y en a qui utilisent déjà Ansible 2.8 sur le blog d'Ansible. Du coup, les choses les plus marquantes, moi, de mon point de vue, c'est dans le récapitulatif, il a ajouté trois colonnes, et notamment, il va lister, du coup, quand on a des modules qu'on ignore, notamment, il va lister les lignes qui ont été ignorées, éventuellement, sur cette partie-là, et notamment, donc, un skipped, un rescue et un ignore. Donc, quand vous le jouez avec 2.8, du coup, vous allez avoir trois colonnes supplémentaires dans le récapitulatif. Qu'est-ce que j'ai noté aussi? Oui, c'est les fameux fichiers. Si vous testez les premières fois que vous jouez avec Ansible, souvent, dès qu'il échoue une tâche sur un serveur, il échoue à se connecter ou autre, il va créer un fichier .retry qui permet en fait de rejouer notamment les tâches, par exemple, sur un des serveurs ou autre. Et par défaut, maintenant, il ne crée plus des fichiers .retry. Donc, des fois, ça peut être... faut savoir si on en a besoin ou pas. Mais donc, il ne fait plus par défaut et on peut l'activer dans la configuration d'Ansible si on veut utiliser cette feature. Dans certains cas, c'était un petit peu... Il crée des fichiers et puis on était tenté dans un repository. Des fois, on commit un fichier .retry ou des choses comme ça ou autre. Bon, là, du coup, à partir de la version 2.8, il ne crée plus par défaut. Je ne sais plus, je sais pas s'il y en a qui utilisent déjà la version 2.8 ou autre et qui ont noté un certain nombre de choses. Moi, j'utilise sur mon poste, après j'en parle un peu. Ok, bon, spoiler. J'en dis pas plus, alors c'était
ma vue à moi des différentes choses. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Alors là, c'est presque une actuée. C'était dans la dernière fois, donc effectivement, dans des BN10, on aura Ansible 2.7 et Ansible Lint 4.1. Et pourquoi je rappelle ça? C'est parce que Debian 10 sort dans, on est le 2 juillet, dans 4 jours officiellement. Donc du coup, ça permettra effectivement d'avoir ces versions par défaut. Donc il n'y a pas encore Ansible 2.8 forcément, vu que ça ne bouge pas ou autre dans Debian 10, mais du coup c'est un point quand même important. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, bon, ça j'en avais parlé la dernière fois, il y a Ansible Fest qui est en septembre, et où des fois il y a un petit peu des annonces sur des features ou des choses un petit peu remarquables. Donc je ne sais pas si quelqu'un prévoit d'y aller ou autre, mais peut-être il y aura des choses à dire sur des annonces lors du prochain meetup qu'on essaiera de faire un peu après septembre, probablement après la rentrée. Peut-être avant de faire la présentation, ce que je propose et ce qui est sympa aussi, c'est de faire un petit tour où chacun peut dire peut-être en une minute du coup son prénom, où il travaille, et puis du coup on va dire quel est son usage d'Ansible ou autre, pour fixer un petit peu aussi le contexte pour Rémi de la présentation. Donc allez Jérémy, je te laisse. Donc, je m'appelle Jérémy, je travaille chez Elise avec Jérémy et Hugo d'autres. Et je fais pas mal d'Ansible pour faire de l'automatisation de configuration sur des configurations type pour des services web, des services mail, des services FTP, etc. Donc voilà. Et dans certains cas, c'est des configurations initiales. Et pour certains clients, c'est carrément de la gestion sur le cycle de vie du serveur. Tout se fait par Ansible, mais c'est pas le cas. Je suis Laurent, je suis indépendant, mais j'ai utilisé Ansible quelques fois pour faire du déploiement sur les serveurs et de manière aussi les mêmes serveurs. Bonsoir à tous, je m'appelle Ramel. Alors, je viens de Sophia Antipolis. Alors, je travaille pour la société Softy. C'est un grand groupe. Et en fait, chez un client, on est en train de mettre en place une solution DevOps dont Ansible fait partie. Donc, le rôle d'Ansible dans cette solution, c'est de pouvoir en fait déployer des artefacts en un client. Stopper Tomcat, déployer le VAR, venir à des malades. Apparemment, on faisait ça avec Rambec, mais apparemment, c'est. Ansible serait le mieux placé pour prendre un oui. Bonjour Franck, je suis atteint chez Axios. J'apprends Ansible. Bonjour, oui, je suis utilisateur pour Marseille. J'utilise Ansible pour poser des machines. Le système embarqué, on a beaucoup de tests sur
Après, on en a beaucoup et on réfléchit à éventuellement à passer ça sur le CD pour du coup, moi, ce que je voulais dire avant de laisser la présentation commencer, c'est que du coup, Ansible, moi, je trouve que c'est un outil qui est très maniable. Mais donc, des fois, effectivement, on a un petit peu, on peut faire plein de trucs avec. Pour trouver les best practices, c'est vraiment très intéressant d'échanger comment chacun l'utilise, hein, sans non plus dire, je ne pense pas qu'il y ait de voix forcément absolue. Donc, ce qui est très intéressant, c'est d'avoir des présentations, donc comme Rémi ce soir, sur les retours d'expérience, comment on l'utilise, et c'est comme ça qu'on peut partager, je pense, un certain nombre d'idées. Donc j'ai noté un certain nombre de vous, vous utilisez déjà Ansible ou autre, donc éventuellement, pour les prochaines présentations, c'est vraiment intéressant si on peut avoir des présentations concrètes sur une façon dont on l'utilise. Ça peut être une façon particulière, forcément, hein, un petit peu, et partager ça ensemble, c'est vraiment intéressant. Donc hop, je switch. Yes. En introduction, moi, je suis content d'être là. Jusqu'à présent, je faisais plutôt des meet-up, mais de votre côté. Et vous avez demandé, je crois, des retours d'expérience, etc. Je me suis dit, c'est l'occasion de passer côté speaker. Donc aujourd'hui, c'est mon premier speak en direct. Merci. Si je parle pas assez fort, n'hésitez pas, parce que j'ai plutôt une voix basse. Ou si je vais trop vite ou quoi, n'hésitez pas à me le dire. Alors, qui je suis ? Moi, je suis Rémi, je suis consultant SI open source. Solutions de monitoring, etc., automation, chez Axience Cloud Builder. Donc Axience Cloud Builder, c'est en fait une boîte qui fait de l'intégration d'infrastructures. Et le rôle premier, c'est d'aller chez le client et installer des belles baies de stockage, du beau serveur physique, un peu de virtu, du réseau, etc., pour que vous ayez votre DSI qui soit content avec du matos qui tourne bien et des beaux serveurs Debian qui tournent dessus comme il faut. Axience Cloud Builder, il fait partie du groupe Vinci Energy. D'une part, je ne sais pas si vous connaissez Vinci Energy, mais un peu partout. Après Axience, on est présent au national, il y a une agence ici sur Aix, puis après il y en a un peu partout à droite à gauche en France. Sur la partie un peu plus côté open source, on est sponsor de la suite EYES. Donc, je ne sais pas si vous connaissez EYES of Network, c'est une brique logicielle qui s'appuie sur Nagios notamment pour faire tout ce qui est supervision de l'infrastructure. Voilà, et puis on est aussi également partenaire Red Hat, entre autres, parce qu'on est partenaire plein d'autres marques. Moi, je suis chez Axience depuis un an et demi maintenant. Je suis le référent technique sur la partie sud-est de tout ce qui va dire tout ce qui touche à l'automatisation, donc notamment la partie Ansible, tout ce qui touche un peu à l'organisation DevOps d'une part, et toute la partie monitoring. Et je suis contributeur de toutes les solutions EYES, mais aussi Ansible, que ce soit Ansible Core, Engine, ou Ansible AWX, qui est la version upstream de Tower Controller. Alors, sans vouloir vous faire mousser, voilà, ça c'est ma contribution à AWX. Voilà, tout ça pour dire que n'importe qui peut contribuer à Ansible AWX. Voilà, c'est assez facile. Au niveau du programme de la soirée, on va faire ça en trois temps. Premier temps, la partie chez Axience, Cloud Builder, comment on l'utilise, pourquoi on a choisi Ansible, les forces et les faiblesses qu'on a pu voir et des exemples de déploiement qu'on fait en production chez les clients. On va faire un petit focus après sur la partie Ansible Tower, donc,
surcouche Ansible pour l'interface graphique et plein d'autres choses. Alors là, ça sera plus une présentation de l'outil et puis une démo. Après, il faut voir avec le temps si on peut aller plus loin. Et dernier point, quelques tips sur comment gérer des tâches sur les playbooks, etc. Des petits trucs qu'on a pu avoir en prod qui ont posé problème, des choses comme ça. Et si on a le temps, on parlera d'inventaire, tout ce qui est inventaire dynamique, cas client qu'on a pu mettre en place. C'est bon ? Alors, pourquoi on a choisi Ansible ? Donc, ce que je disais, c'est qu'à Axiance, on est intégrateur. En fait, on déploie régulièrement un peu toujours les mêmes infrastructures. Donc, on arrive chez le client, on a DB, des serveurs qui vont gérer les hyperviseurs et ESX chez VMware, des switches. Ben voilà, c'est à peu près toujours la même chose. Après, il y a les constructeurs qui vont changer, mais on fait à peu près toujours la même chose. Et ce qu'il y a, c'est qu'en fonction de l'intervenant, si c'est du lundi ou le vendredi, voilà, les procédures elles sont plus ou moins respectées, les scripts, enfin, bon, je ne fais pas le pourquoi d'Ansible, mais on peut avoir des divergences de déploiement. Donc on est parti sur Ansible. Pourquoi Ansible ? Parce que ça ne fait pas que du déploiement de serveurs Linux en SSH. Ça fait beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup de modules sur le périmètre infrastructure un peu plus global. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des constructeurs en plus qui créent leurs propres modules. D'accord ? Donc vous allez taper sur du switch Cisco, HP, Dell. En fait, ils vont apporter leurs modules. Donc il y a une vraie plus-value là-dessus. Donc on va utiliser vraiment tout ça pour automatiser le déploiement d'infra. Puis un truc qui est cool avec Ansible, c'est que ça tourne quasiment tout seul. Donc c'est vrai que ça s'installe plus sous Linux, mais n'importe qui en entreprise qui a un PC sous Windows avec WSL installé, tourne la poule. Ça marche direct. Donc là sur mon bout, voilà, j'ai un beau PC sous Windows, avec WSL, Visual Code pour faire un peu tous mes trucs. Voilà, on arrive chez le client, le PC on branche. On a nos playbooks et c'est bon. Donc à partir de là, on s'est dit ok, Ansible c'est sympa. Maintenant, comment on va monter en compétence sur l'outil ? Ouais. Petite question, est-ce que vous avez envisagé d'autres outils que Ansible ? Alors moi, je suis arrivé en début 2018. Le choix au niveau de la direction technique avait déjà été pris sur Ansible. Donc il y a eu une réflexion en amont là-dessus. Après, enfin voilà, on est quand même partenaire Red Hat. C'est un produit qui, mine de rien, marche plutôt bien. Bon, il y a des avantages et des inconvénients, mais pour ce qu'on voulait faire, ça correspondait plutôt pas mal aux besoins. Et le fait que ce soit agent de classe aussi, c'est sympa. C'est que comme on déploie from scratch, c'était plutôt pas mal. Bon, comment on est monté à bord de la solution Ansible ? Donc, il y a des gens comme moi qui avaient utilisé auparavant. On a mis un club Hybrid Cloud Automation pour HCA. Donc l'objectif, en fait, c'était déployer automatiquement un VPAC. Je vais vous expliquer ce que c'est. Au-delà de ce déploiement, l'automatisation, ben, c'est apporter un peu les bons outils, les bonnes méthodes aux gens qui vont déployer les infrastructures chez le client. Également, accompagner les équipes en interne, mais aussi capitaliser dessus pour faire du consulting en externe. Et éventuellement, boire des bières après le club. Un VPAC, qu'est-ce que c'est ? C'est ni plus ni moins qu'une petite infrastructure chez le client avec ce que je disais, hein, stockage et réseau virtuel. Et en fait, le client va payer à l'utilisation de la VM. Donc on fournit l'infra, il ne paye pas le matos, il ne paye que l'abonnement de ses VM. Là-dessus, on est plusieurs experts dans chacun des domaines, stockage, réseau, virtuel, automatisation, open source, etc. On a fait d'abord une formation Ansible sur toute l'équipe, donc c'est 18 personnes au national. On a à peu près 2 personnes par région. Et en mise en place d'un serveur GitLab pour bien sûr contribuer au niveau national sur tout ce qui touche à Ansible, playbook, role, module, plein d'autres choses, etc. Des exemples de playbook. Du coup, un VPAC, comment on va le déployer ? En fait, ça va être la configuration des hyperviseurs. Donc, okay, je boot, je mets le bon DNS, le bon NTP, les bonnes configurations réseau, je configure bien les cartes pour dire ça, c'est des cartes d'accès, ça des cartes pour le stockage. Voilà. Enfin, je ne sais pas si côté infra, c'est des choses qui vous parlent. Oui,
parce qu'il y a déjà des gens qui ont mis sur des dans DB de stock, dans des DB, des serveurs rackés, des choses comme ça. Par toi là. Ouais. Voilà, ça c'est le métier qu'on fait au quotidien. Une fois qu'on a les briques d'hypervision, bah, en fait il y a tout un système, donc on est très orienté aussi Windows. Donc déployer un Active Directory, déployer des VM, les intégrer à l'AD, du DNS, du Windows WSUS, bah, tous ces trucs-là. Et la partie vCenter pour piloter après toute l'infrastructure virtuelle. En fait, quand vous déployez un environnement de VM chez la fusion, il n'y a pas un outil d'Oracle ou des choses qui sont déjà déployées. En fait, ce qu'on va appeler le VPAC, c'est quelque chose qu'on construit avec le client. En fonction des besoins qu'il a, s'il veut du PRA, du PCA, s'il veut des perfs, moins de perfs, le nombre de VM qui, sur les quelques années à venir qui va mettre en place. En fait, on va en déduire le matos qu'on veut, et en fonction du matos, les règles de configuration sont pas les mêmes. Donc c'est pas un truc tout fait, on va pas dire ok, c'est que des suites Netgear, si on en tout cas on ne fait jamais. Voilà, ça change. En fait, moi je suis venu à la base. Mais je sais que quand tu as l'hyperviseur et tu as le rack avec toutes les unités dedans, tu as l'outil central qui crée les VM, tu n'as plus en fait que faire un shrink de disque pour faire les VM. Ouais, mais on fait le déploiement à partir de la source, on parle vraiment d'infrastructure as code, et en fait on va rentrer les paramètres du client, parce qu'il y a plein de paramètres spécifiques au client. Sur les switches, ça va être les VLAN, ça va être le nom des data stores pour tout ce qui est stockage, voilà, ça c'est vraiment spécifique au client. Donc on va ça. Voilà, tous ces trucs-là. En gros, grosso modo, on va faire un peu tout ça. Pour la partie supervision, on va déployer automatiquement notre solution Azure Network. Et donc VConso, c'est une brique pour faire le calcul de la consommation des VM. On va mettre en supervision tous ces équipements. Donc ça, voilà, c'est géré de manière automatique avec Ansible. Et enfin, tous ces playbooks, ces rôles, tout ce qui est côté Ansible, donc comme c'est de l'infrastructure configuration, enfin, ça va être décrit dans des YAML, donc on peut assez facilement en sortir une bombe, enfin, la liste du matos et les paramètres, pour derrière faire la transition à notre centre de service qui va gérer toute la partie run, donc qui sait l'état dans lequel on a fourni l'infrastructure au client. C'est clair? Donc là, je ne montre pas de playbook, etc. On y viendra un peu plus tard. Là, c'est vraiment plus comment on l'utilise chez nous. J'ai une petite question. Ouais. Sur les modules qu'il y avait juste sur le slide avant, tu dis que les modules sont fournis. C'est les modules qui sont fournis en plus et que tu vas intégrer, ou alors c'est déjà les modules qui sont dans la version? Alors, on a, y a deux modules qui ont été développés en interne. Un qui a été livré sur Ansible directement. Un module en plus ensuite qui permet de piloter Azure Network, à voir s'il va être libéré d'ici 7 ans. C'est les deux seuls. Après, c'est plus des modules. C'est les deux seuls modules en compte. Ça, c'est des modules qui. Alors, soit tu les as directement dans Ansible, quand tu fais Ansible, soit sur leur dépôt, ils peuvent apporter des modules qui ne sont pas encore. On a eu le cas d'un éditeur de B qui avait d'un module à part. Et je crois que sur la 2.7, ça a été intégré directement. Alors le côté plus moins d'Ansible dans notre cas, ce qui est bien, c'est que en fait, ça a permis à tous les gens qui bossaient sur le produit de vraiment monter en compétence. Non seulement sur l'outil, okay, je m'approprie vraiment Ansible, mais aussi sur comment on déploie vraiment une infra. Il y a des choses que faisaient certaines personnes, d'autres qu'ils ne faisaient pas. En fait, on s'est dit, tiens, c'est plutôt comme ça qu'on fait. Alors, si je prends l'exemple sur un Debian, ça vous parle peut-être plus, dire, tiens, voilà, le service NTP, je vais le configurer de telle manière. L'autre dit, ben, moi, je vais plutôt le configurer d'une autre façon. Voilà, on partage les avis et puis on en sort ce qui est... Il y a eu plusieurs sessions dans l'année. C'était des sessions de 2 jours à chaque fois. Et on s'est rendu compte que la meilleure façon de bosser, c'est d'être à deux. Parce qu'à deux, c'est toujours mieux. L'idée, c'est d'avoir un expert sur la partie spécifique. Donc, je veux dire, sur la partie applicative, un gars qui est expert web, voilà, qui sait très bien comment on va
comment son appli web fonctionne. Et un qui est plus expert sur l'automatisation, dire ok, donne-moi comment toi tu déploies et moi je vais t'automatiser ça. Et ça, c'est quelque chose qui match plutôt bien. Donc, je disais, enfin, le domaine ne sera pas forcément comment automatiser. Dire, bah, voilà, on te posait la question avant, dire ah, Ansible, on peut faire du shell. Non, on va éviter. Et justement, l'expert Ansible dira ben, voilà, utilise tel ou tel module, fais plutôt ça comme ça, etc. Par contre, un expert qui utilise Ansible, configurer correctement un agrégat de ports sur des switches, bon, pas sûr que tout le monde, tout expert Ansible, sache le faire proprement. Et ce qui est bien, c'est que voilà, ça émule intellectuellement tout ça. Ça se passe vite. Ouais, petit point, l'expert, en fait, chez nous, un expert, c'est ma définition, c'est celui qui en sait le plus dans la salle. On va s'arrêter là. Comment ? Voilà. On dit expert grand parc. Voilà, c'est ça. Bon, l'idée, enfin voilà, c'est que ça, on va partager un peu des bonnes pratiques. Ça permet d'homogénéiser les déploiements. Et ça oblige à documenter et versionner avec Git. Parce que le truc du « Ah, j'ai mon playbook sur mon PC, attends, je te le passe par... par clé USB sur le partage blablabla, non. Ah, voilà. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'un ingé qui fait l'intégration, c'est pas forcément un dev, donc on va voir après, c'est ça. Il faut savoir utiliser correctement un outil de version. Comme je disais, un ingé qui fait l'intégration, c'est pas forcément un dev, il faut apprendre à maîtriser Git. Je sais pas si vous voyez un peu à droite, et ça c'est les logs des commits sur notre GitLab. Voilà, update main.yaml, update.yaml. Ah, c'est pas très parlant au niveau gestion de code source. Je vois monsieur qui fait la tête là-bas. Donc voilà, il y a une phase d'apprentissage sur Git d'une part et puis toute la gestion de versioning là-dessus. Il faut bien penser aussi que voilà, la syntaxe YAML, ça a l'air simple au début, mais faut pas se planter avec les espaces, les machins, les blocs. Qu'est-ce que c'est qu'un dictionnaire, qu'une liste de dictionnaires, tous ces trucs-là. Voilà, il y en a qui ont eu un peu de mal. Il faut aussi penser déclaratif. Dire, voilà, je vais pas reprendre mon script shell, PowerShell, Bash, ce que vous voulez, et faire copier-coller dans Ansible, parce qu'il faut réadapter un peu. Il faut vraiment pas penser déclaratif. Voilà, tout ça pour dire qu'on ne peut pas être bon partout. Il y a des choses. Une autre remarque qui a été faite, c'est de dire le gain de temps finalement, parce qu'en fait, l'installation, on va l'installer qu'une fois chez le client. Le client va dire ok, vous êtes, vous avez passé X temps à peaufiner les règles de déploiement, mais bon, si vous aviez suivi la procédure, entre les deux jours que vous avez mis à écrire vos playbooks, vos rôles, machin, et les 5 minutes que vous avez mis à déployer, finalement, sur un jour, vous aurez pu tout faire. Bon, c'est là qu'il faut voir plutôt sur le long terme. Après, on a perdu un peu de temps au début, derrière, on est capable de réitérer, de réinstaller, de refaire le boulot plusieurs fois. Dernier point, ça va être, on parlait des modules constructeurs. Ce qu'il y a, c'est qu'il y en a beaucoup, que ce soit constructeur ou autre. Je ne sais pas si vous voulez par exemple gérer un package, vous avez le YUM, APT et package. C'est déjà bon. Package, c'est un peu assez libre en même temps. Pour la partie réseau, vous avez du netconf, vous avez du Cisco, je ne sais plus quoi, enfin, il y en a un peu partout. Et donc il y en a, voilà, faut bien faire le tri. Un truc que j'ai rencontré, c'est qu'il n'y a pas aussi au niveau de l'homogénéisation des rôles. Là, concret, sur déploiement de switch, que ce soit du Cisco ou du Dell, la méthode de configuration d'un port, en fait, ce qui va être les variables passées à la tâche, les choses comme ça, c'est pas tout à fait pareil. Donc, finalement, on perd un peu en abstraction de configuration. Des modules aussi qui ne sont pas idempotents. Ça, faut faire attention. Il ne faut pas récupérer tout n'importe quoi. Il faut bien tester avant. Donc il y en a certains, en effet, qui sont pas secs. On a eu le problème sur des modules qui étaient disponibles par le constructeur en version 2, en étant 2.5, je crois. Et en fait, ça ne fonctionnait pas correctement. Il a fallu attendre le 2.6 pour que ça soit mis en place correctement. Et dernier point, au niveau de la montée de versions, c'est faut bien faire attention que ça passe bien, parce que des modules qui n'étaient pas intégrés dans Ansible vont l'être. Avec quelques deltas, il faut bien faire gaffe. Je vais essayer d'avancer assez vite, beaucoup de slides.
Oui. Est-ce que dans votre utilisation, vous êtes amené à rejouer un playbook sur une même infrastructure ou pas ? Ouais. Ouais. Pas dans le cadre d'un déploiement from scratch, mais ça peut arriver. Enfin, j'en parle justement. Ouais. Mais qu'est-ce que tu veux dire ? Alors tu peux te débrouiller, après il y a plus, enfin c'est une analogie avec, il y a un module qui va être appelé une API en web. Donc tu peux très bien dire je vais appeler une API, je fais un post avec tel paramètre, etc. Donc ça marchera n'importe quel service web en face. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a peut-être certaines subtilités que tu vas devoir du mal à gérer au niveau de l'idempotence. Dire ok, ça me renvoie tel code d'erreur, alors qu'est-ce que je fais, machin, mon truc est déjà créé, etc. Les modules constructeurs, enfin, ce que j'appelle les modules constructeurs, ils apportent en plus ça. Enfin, c'est le même cas du shell, on a un module shell, tu peux faire tout avec du shell, mais tu vas être vite embêté sur ça. Je sais pas si c'est clair. Ouais, c'est pour pas faire du shell. Voilà, mais en fait le module t'apporte toute l'intelligence de vérification avant application sur un type de matos. Ou d'outils particuliers. Est-ce que vous avez un exemple de module SIM ? Module SIM, on parlait d'équipement réseau, configurer une interface réseau, une interface d'un switch. Une interface virtuelle bah, un port de switch, dire dans quel VLAN il appartient, si c'est du port access ou du port trunk, si c'est un groupement de ports. Ce genre de truc. Et ça, en gros, tu l'as pris en. Voilà. Voilà, il y a un module Cisco. Pour ne pas le nommer, qui pour éditer, pour aller configurer le switch Cisco qui fonctionne. Sur la partie ESX, il y a ce genre de truc aussi. En fait, la maturité d'un module, elle va se juger justement au niveau d'abstraction par rapport aux détails d'implémentation. Elle va se juger sur la capacité à une bonne idempotence et aussi à justement les différents. La qualité de l'information qu'elle va être capable de redonner en fonctionnement à la structure de données. Voilà. Donc j'enchaîne sur les exemples de demandes qu'on a chez les clients et de déploiements qu'on peut faire. Voilà, donc créer des serveurs, que ce soit du Windows ou du Linux, sur site ou sur du cloud. Bon, la configuration, ce que j'ai entendu un peu ce que tout le monde fait aujourd'hui, dire voilà, je déploie un serveur avec les services de base, les services Apache, voilà, du NTP, du DNS, un serveur FTP, tous ces trucs-là. Et puis, toute la mise en exploitation, la mise en place des sauvegardes, la mise en place des supervisions, l'intégration à des Active Directory, la gestion avec un IPAM, tous ces trucs-là. Nous, en région sud-est, qu'est-ce qui a été fait en production ? C'est quelques exemples. Donc, c'est, quand on déploie la solution Eyes of Network, aujourd'hui, c'est fait avec Ansible. Tout avec Ansible. Donc, ça va être l'installation de tous les packages. Rajouter des surcouches supplémentaires, un peu de Grafana, un peu d'Ilfut, tous ces trucs-là. Normalement, ça devrait être. Tous ces playbooks-là devraient être disponibles sur GitHub en septembre. On va faire tout ce qui est déploiement et configuration de serveur Linux pour un client. Donc ça va du template VMware, on va créer la VM, on va créer les disques qui vont bien avec du partition LVM, des choses comme ça. Configuration de l'OS, fonction des services qui vont bien. Le cas de dire ok, est-ce qu'on rejoue les rôles ? Là, pour ce client-là, oui, parce que c'est un cycle de vie. Donc il nous demande des modifications. Voilà, on récupère les modifs. Bon, après, ça se fait. Il y a un dialogue entre le client et nous, et on gère ça. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet de suivre les changements. Donc, comme c'est comité sous Git, on voit vraiment, voilà, tel jour à telle heure, on a fait tel changement sur tel paramètre. Ce qui est sympa, c'est que. Si le client est un peu pointilleux ou il change d'avis comme tout le chemise, comme tout client, vous avez déployé votre serveur, il dit ah mais finalement c'était pas exactement ça que je voulais. On pète tout, on relance le playbook et c'est parti. Donc là pour un cas, voilà, au moins 7 fois j'ai dû relancer le déploiement d'une dizaine de sets de VM. Donc on a perdu un peu de temps au début pour designer le truc. Après voilà, mais si j'avais dû redéployer à la main 7 fois. Cette fois, ce serveur-là. Un module, c'est plusieurs playbooks, c'est ça ?
Non, un module, c'est des. C'est des fonctions. Ouais. Un truc qu'on fait, c'est du déploiement de. Enfin, au sein d'un, d'une infra particulière, on déploie des équipements réseau. Donc, il y a déjà des choses qui sont déjà automatisées avec du PowerShell. On s'est dit, qu'est-ce qui n'est pas encore automatisé? L'équipement réseau. On va faire ça. Bon, je vais, si j'ai le temps, on verra après la partie inventaire dynamique. C'est que le client dit, ok, c'est bien sympa votre YAML, mais ben, finalement, c'est bien sympa. C'est mieux un fichier Excel avec mon port, machin, etc. Mais ben, en fait, on a fait une conversion qui automatise ça. On ne peut pas trouver ces modules sur Internet? Si, tu peux. Mais il n'y a pas tout. Parfois, il faut... C'est sur les séquences. Et alors, sur doc.ansible.com, il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Vous avez la liste de tous les modules qui sont gérés par, de base. Il y a quand même une bon. Et enfin, dernier petit truc, c'est des commandes bascule de VM. Donc, client qui dit c'est sympa, clique, je déploie, je machin, etc. Ansible, un playbook avec quelques lignes. Donc chez Axience, qu'est-ce qu'on va proposer une fois qu'on sait l'utiliser en interne, c'est chez les clients. Bah, c'est bien faire des playbooks si vous voulez. Donc on peut vous cracher du playbook. Bon, c'est pas forcément la valeur ajoutée qu'on peut apporter. On peut faire profiter un peu de notre expérience, un peu comme je le fais ici. Aider les clients à automatiser le SI, ce genre de choses-là. Voilà, vous faire gagner du temps sur le déploiement de l'infra. Et dernier point, vous aider un peu sur l'intégration d'Ansible Tower. Belle transition. Maintenant, on va parler d'Ansible Tower. Ça va? Donc, petit rappel sur Ansible Engine. Donc ça, c'est le... Quand vous êtes sur votre poste, vous faites Ansible Playbook, votre nom, machin. Ça, c'est Ansible Engine qui va être sur votre poste. Comment ça va marcher? Vous êtes utilisateur, vous créez un playbook avec la liste des tâches qui vont rappeler les modules, etc. Ça va se baser sur un inventaire pour dire toutes ces tâches-là, je vais les exécuter sur un seul hôte ou un groupe d'hôtes ou tous les hôtes que je gère. Donc soit statiquement, soit via un inventaire externe, ce qu'on appelle une CMDB. Voilà. Et plein d'autres choses. Et puis vous déployez tel truc, un peu ce que vous voulez. Ce qu'il y a, c'est que ça, en fait, vous le faites soit sur votre poste, soit sur un serveur sur lequel il y a Ansible, et puis n'importe qui peut se connecter, etc. Soit vous avez un petit ICD et vous vous appelez Ansible dans votre CI. Donc Ansible Tower rajoute une couche là-dessus. En fait, c'est un environnement qui permet de sécuriser un peu toute la gestion d'Ansible Engine, avec d'une part une interface web, donc pour les gens qui ne sont pas à l'aise avec la ligne de commande, en fait, ils peuvent juste lancer un playbook en appuyant sur un bouton. Il y a possibilité d'interfacer ça avec une API REST, donc vous pouvez aller piloter Ansible. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a aussi une gestion de droits. Donc n'importe qui ne peut pas faire n'importe quoi. On va avoir deux équipes, une équipe qui va cracher des playbooks, des rôles, etc. Donc eux, ils savent comment ça marche en interne. Ce qu'il y a, c'est que l'exploitant, il n'en a rien à faire de savoir quel module est appelé, quelle machin, comment c'est fait. Lui, tout ce qu'il veut, c'est déployer son application. Par contre, il faut qu'il déploie son application sur un type de serveur, mais il ne faut pas qu'il puisse déployer d'autres applications. Si on donne accès à tous les rôles, les playbooks, toute la partie Ansible directement, il peut tout péter. Là, avec Ansible Tower, il y a une gestion de rôle, lui, il n'accède qu'à ça. On verra après la démo. Voilà. Et tout ce qui est fait, bien sûr, c'est journalisé. Quelques features sympas, c'est que en fait, tous les playbooks, les inventaires, et toutes les données secrètes, donc les codes d'accès pour les déployer sur un cloud, etc., c'est un peu indépendant. Donc, voilà, on verra, vous allez construire un peu votre système. Un truc qui est sympa, c'est que c'est l'image-là, c'est l'éditeur de workflow. On verra aussi, vous avez un ou deux ou n playbooks, et en fait vous voulez chaîner les playbooks, dire genre typiquement je démarre mon serveur, il est démarré, je vais installer tel truc, si c'est ok je continue le déploiement de notre playbook, etc. Donc on peut splitter là. Derrière il y a la partie tâches planifiées, donc on peut toutes les 5 minutes redéployer un serveur, tout ce truc là.
des gestions de notifications. Donc une fois que c'est fini, ça peut vous notifier soit par Slack, soit par autre chose. Donc, je fais de la pub, mais on a justement développé un callback qui notifie sur Najos. Ça gère du clustering, donc vous pouvez avoir un seul nœud ou plusieurs nœuds qui va faire l'ode disponibilité, etc. Donc attention, si vous voulez faire du cluster tower, derrière c'est de la base Postgre, donc il faut aussi clusteriser votre base, sinon ça ne fonctionne pas. Et vous pouvez faire du DRP, donc la Disaster Recovery Plan, donc avoir un équipement, un serveur Ansible Tower qui tourne, et puis si votre site principal crash, c'est remonté sur un site secondaire. Donc je parlais de Tower, mais on parle aussi d'AWX. Est-ce que vous connaissez Ansible AWX? Non. Voilà, en fait c'est le projet upstream de Tower, c'est l'équivalent de Fedora à Red Hat, Enterprise Linux. Au seul détail, c'est qu'il n'y a pas de cycle de vie de release sur AWX. Après, est-ce que c'est un projet jeune ou quoi, mais voilà, il n'y a pas, la même structure qu'on peut avoir sur Fedora. Alors en pratique, il y a quoi? Il n'y a surtout pas de support sur AWX. Ça tourne. Ce qu'il y a, c'est qu'au niveau de l'installation et des mises à jour, c'est un peu hasardeux. Donc voilà, à tester en lab chez vous. Soit sinon vous maîtrisez vraiment bien le système et vous pouvez le faire tourner là-dessus. Si vous êtes un peu frileux, à ce moment-là, passez sur la version Tower avec souscription, etc. Et vous avez sur le site, je ne sais pas si on voit bien, mais un peu la différence entre les deux, mais c'est grosso modo ce que j'ai dit. Voilà, ça a de la souscription, le nombre de nœuds gérés, etc. Comment ça s'installe? Plusieurs méthodes. Si vous le testez avec Vagrant, en trois commandes Vagrant, vous avez un serveur Tower qui tourne chez vous. Il y a des instances AWS EC2 qui existent. On peut l'installer sur du CentOS ou Red Hat directement. Donc c'est ce que je fais moi, typiquement. Ça se fait avec des playbooks Ansible, sinon ça serait pas drôle. Et on peut aussi le déployer sur OpenShift. Là, c'est pas le sujet du jour, mais s'il y en a qui veulent faire une présentation sur le déploiement d'un Ansible Tower sur OpenShift, ils pourront venir à la prochaine session. Comment ? Il faut Vagrant pour installer Tower ? Non, c'est toi, tu l'installes comme tu veux. Soit tu peux l'installer avec Vagrant pour tester en deux temps, soit sur t'as une AMI dispo directement sur EC2, soit tu l'installes avec avec un playbook Ansible sur un. Il faut que tu aies au moins des. Non, par contre, il faut que tu aies quand même des playbooks à côté pour donner à manger à Tower. Si tu as Tower tout seul sans playbook, il ne servira pas à grand chose. En fait, quand tu installes Ansible Tower, il installe en interne tout ce qu'il veut. Et tout à l'heure, vous avez mentionné juste la slide avant. Alors, en fait, Ansible Tower, c'est une application. C'est une application web qui permet de piloter, entre autres, des playbooks Ansible. Voilà, c'est ça. C'est une interface graphique, tu cliques, tu machin, etc. Tu as la version Ansible AWX qui est la même chose, sauf que c'est une version gratuite. D'Ansible Tower. C'est ça. Ah, d'accord. En fait, je ne sais pas si sous Linux, c'est comme Fedora et Red Hat. Juste une précision, Ansible Tower, c'est open source. C'est open source. Parce que le code source d'Ansible Tower, c'est AWX. C'est juste une question de certitude de service, le fait que c'est un service en ligne utilisable, venant de finance, sinon il y a des risques. Mais il n'y a aucune différence technique entre. Je crois que c'est pas la même branche, mais enfin, c'est un peu éprouvé. Je crois que c'est des snapshots qui font de temps en temps pour dire ok, on fait une release de Tower, mais c'est ce que tu avais dit au départ. Hein. Ouais. En gros, Tower, il n'arrive pas dans ce rapide que AWS. C'est plutôt l'inverse. C'est l'inverse. En fait, Tower, c'est une version stabilisée, éprouvée et sous support. C'est quand sur AWS, après, une fois que c'est stabilisé, il faut sur Tower. Voilà. Bah, du coup, là, il perd l'argent. Bah, c'est le business model de Red Hat. Hein. Ça marche. Après, il y a de la maintenance, vous avez vu. C'est ça.
Donc là, justement, au niveau des versions et tarifs, au niveau Tower, on va avoir 3 versions, la version free. Donc vous pouvez tester chez vous, bon, ça gère jusqu'à 10 nœuds, donc 10 serveurs, donc c'est un peu limité. En théorie, il n'y a pas de différence. Alors moi, j'ai rencontré une différence au niveau de la gestion des workflows. J'ai pas réussi à créer de workflow avec cette version. Donc je vous le dis, je vais tester. Après, il y a 2 versions, standard, premium. En fait, ce qui va changer, c'est juste au niveau du support. Il y en a un, c'est support à heure ouvrée, l'autre 24/7. Et on peut jouer jusqu'à 100 nœuds. Donc c'est une souscription par an. Puis après, si vous voulez plus, vous me contactez. Puis on parle. Et bien sûr, il y a beaucoup de docs sur Ansible Tower, comme sur Ansible. Continue. Les nœuds, c'est les serveurs. Les nœuds, c'est les serveurs que tu vas contrôler. Les serveurs ou les plutôt. Voilà, tous les équipements que tu vas contrôler avec Ansible. Alors, un exemple d'intégration, là, on va passer un peu au vif du sujet avec une démo. C'est, voilà, je suis Ops, j'ai tout sur Git. Ansible Tower va aller faire le lien avec ses dépôts sous Git. On va déployer un environnement sur AWS, Amazon. Pourquoi AWS ? Parce que ça marche. On peut le déployer aussi sur un cloud privé. Si on a chez des clients, on va déployer ça sur du vCenter directement. Donc ça marche. Petit aparté, il y a des questions qui m'ont été posées, c'est de dire, mais tout ce déploiement, pourquoi on ne le fait pas avec Terraform ? Je ne sais pas si vous connaissez Terraform. J'ai une réponse assez simple, c'est que c'est un meetup Ansible. Donc l'idée, c'est de montrer qu'on arrive, on peut le faire aussi avec Ansible. Parti. Juste une petite question. Du coup, vous, dans votre utilisation, vous utilisez systématiquement Ansible Tower ou parfois vous utilisez... Alors, nous, en interne, on utilise Ansible, Engine. On n'a pas vocation à utiliser Ansible Tower parce qu'en fait, on fait du déploiement à droite, à gauche chez les clients. Les ingénieurs font du déploiement, ils utilisent Ansible Engine sur leur poste, etc. Après, on va plutôt aider ou installer du Ansible Tower chez des gens qui veulent faire de l'industrialisation, d'automatisation de leur infra. Donc nous, on a la connaissance, les compétences d'Ansible, on a la connaissance de l'infra, donc on peut aider les équipes à gérer ça avec Ansible Tower. Je sais pas si c'est clair. En interne, Ansible Tower, on va pas forcément l'utiliser. En fait, Ansible Tower, il a juste des commandes basiques. C'est pas que c'est des commandes basiques, c'est que c'est intéressant quand tu gères un certain nombre de serveurs longtemps avec des boucles qui vont se faire plein de fois. Ouais. C'est pour faire juste une fois au-dessus de la chaîne, c'est fini, il y a autre chose. Après, tu auras l'utilité, donc dans une entreprise, tu commences à avoir un peu de monde, tu as des gens qui vont créer les playbooks et l'autre, des exploitants qui vont juste dire bah voilà, j'ai besoin de créer une VM, je clique, ça crée ma VM avec tout ce qui va bien, etc. Il n'y a pas besoin d'aller. Un député qui n'existe pas sans la gestion des droits. Voilà. Voilà. Tu as un groupe opérateur qui n'a le droit de déployer que tel type d'équipement. Alors là, j'ai une VM qui tourne sur mon poste avec plein de choses de paramétrées. Je vais juste vous montrer en amont qu'est-ce qu'on va faire. Donc l'idée, c'est de déployer sur AWS des VM. Donc tout ça, c'est sur j'ai plusieurs playbooks dans un dépôt Git où j'ai ici tous mes fichiers. Par exemple, j'installe un web server. Ça va être quoi? Ça va être plein de choses. Installer des packages HTTP, PHP, Git. Enfin voilà, ça c'est des trucs vraiment communs que vous allez utiliser tous les jours. Ce qu'il y a, c'est que ce genre de truc, c'est sympa, mais on veut le faire de façon je clique, machin, etc. Ce qu'il y a, c'est que ça, on veut l'utiliser avec l'inventaire d'AWS et puis avec des droits particuliers. Enfin voilà, tout ce truc-là. C'est ce qu'on va faire avec Ansible Tower. Donc Ansible Tower, c'est quand vous vous connectez, vous avez un dashboard qui va vous dire un peu le nombre d'hôtes qui sont gérés, s'il y a eu des échecs, voilà, le nombre d'inventaire que vous avez, tout ça. On va partir du bas, au niveau de la configuration, vers le haut. Je vais aller assez vite. Bon, toute la partie administration, je vous renvoie à la doc, c'est créer
des trucs un peu particuliers si vous voulez faire de la notification, si vous voulez faire au niveau des API, si vous voulez faire des tokens particuliers pour être appelé depuis des applications tierces. Ah voilà, tous ces trucs-là. On peut gérer des organisations, donc il y a une organisation par défaut sur laquelle on va mettre des utilisateurs. Ah voilà, toute la gestion RBAC, role-based access control, pour dire tel utilisateur fait partie de tel groupe, a le droit de faire tel truc, etc. Donc on peut définir voilà, des équipes. J'ai une équipe My Team sur laquelle j'ai un utilisateur, deux utilisateurs, et le user 1 qui est là. Là, j'ai créé mes utilisateurs, donc vous pouvez vous-même créer autant d'utilisateurs. Ça, on peut le plugger à une source d'authentification, serveur LDAP, Kerberos, SAML, enfin tous ces trucs. Ensuite, ce qui va être très important, c'est toute la partie ressources. Donc vous pouvez, si vous avez besoin, faire des scripts d'inventaire spécifiques pour vous. Là, j'en ai pas. Ensuite, on va faire les inventaires pour dire tout le truc que je vais jouer, c'est à quoi je vais le jouer, enfin sur quel équipement je vais jouer. Là, j'ai un inventaire qui est AWS, donc pour créer un plus, et puis voilà. Sur lequel je vais dire ici, la source de mon inventaire, c'est un truc de type Amazon EC2. On peut choisir autre chose. On peut faire du Google Compute Engine, du Azure, etc. Là, ici, moi, je suis sur Londres, parce que mes instances sont sur Londres, etc. Donc, si je vois ici, après, au niveau de mes hôtes, bon, je vois que j'ai un hôte qui s'appelle House of Network. Et en effet, si je vais sur mon truc AWS, pour l'instant, j'ai qu'un seul hôte qui traîne. House of Network. Donc, j'ai mis un petit nom. Okay. Pour la source, ça fait quelque chose de spécial pour récupérer, etc. En fait, tu montes Amazon. Ouais, voilà. En fait, tu dis dans la source, quand tu vas le créer, gérant ici des informations d'identification, je te montre après, la région où c'est. Le petit tips que j'ai fait ici, c'est dire, en fait, quand je vais récupérer l'inventaire, je vais associer son nom, ça va être le tag name des instances EC, pour pas avoir le nom EC2.machin.machin.aws.amazon. Dire le DNS. En fait, quand tu cliques ici, normalement, son nom. Alors voilà, je ne sais pas si c'est l'ID, par défaut ils m'auraient renvoyé cet ID là. Donc c'est pas très grave. Du coup, ça c'est une VM Linux. Ça c'est une VM Linux ici. Et en fait quand je vais déployer mes VM, je vais dire déploie-moi tel AMI. Donc en fait c'est des templates. Ouais, je sais. Voilà. Donc ici tu te disais voilà comment je m'identifie. En fait tu vas spécifier toutes les méthodes d'information d'identification, donc il y en a plusieurs. Dire ok, quand je me connecte sur de l'AWS, je vais utiliser tel truc. Quand je me connecte aux machines en SSH, ben, tu peux mettre des clés SSH, etc. Quand je vais récupérer mes playbooks Ansible sur Git, je vais avoir des credentials spéciales pour le GitLab. Ben voilà, il y a tout ce truc là. Et ce qu'il y a, c'est que ça, un utilisateur lambda, il ne voit pas. Il n'a pas accès. Donc on a vu que j'ai mis un inventaire. Bah, tu le fais sur ton poste, après quand tu veux partager, quand tu veux avoir vraiment un rôle d'exploitation. Donc on a vu ici, je reviens, là je suis sur mon poste et j'ai mon dépôt Git. Donc voilà, j'ai tout ce truc là, c'est versionné sur mon GitLab chez nous, etc. Donc on va faire le lien au niveau des projets. Donc voilà, mon projet Demo Eyes Automation, c'est ni plus ni moins que telle URL sur telle branche, et je vais utiliser telle source d'identification pour aller se connecter et récupérer tous les playbooks que j'ai sur mon serveur Git. Après, il y a plusieurs options, dire ok, je synchronise mon dépôt Git au démarrage de ma tâche, je dégage tout, enfin il y a plein d'options particulières. Je peux mettre des permissions, dire ben voilà, ce projet qui contient mes playbooks, il y a telle ou telle personne qui accepte. C'est bon ? Ce qu'il y a, c'est que là, j'ai que le lien vers mon dépôt Git. J'ai pas encore les liens vers mes playbooks qui sont dans mon dépôt Git. Et c'est là où on va utiliser les modèles.
là j'en ai créé plusieurs, et je vais dire ok, j'ai un truc qui va améliorer mon serveur, je vais faire tout l'assemblage, je vais dire, je vais utiliser mon inventaire AWS, je vais récupérer du projet que j'ai mis avant, le playbook qui la retrouve. Donc ça c'est fait automatiquement. Après on peut dire on fait de l'exécution ou on fait juste un check, au moins un check dans les commandes. Voilà, on peut mettre un peu tout n'importe quoi, on peut limiter enfin, toutes les options que vous avez en ligne de commande, limiter les hosts, rajouter des tags, spécifier des variables au démarrage du playbook. Donc vous avez pu mettre un questionnaire ici. Je ne sais pas si ça vous parle ça. Du coup lui il va aller dans Git chercher les... Voilà, c'est ça. Donc là j'ai défini. Comment ? Il y a une télécharge sur la Voilà, donc là en fait j'ai tout imbriqué, mon inventaire, mon dépôt Git et le playbook que je vais appeler, etc. avec les options. Alors ça c'est, imaginons, vous avez, le cas là, d'un client c'est qu'il a des VM qui veut, des VM Linux qui veut intégrer un Active Directory. Et en fait on va utiliser un login mot de passe pour l'intégration. Là, c'est dire, bah, au moment du. Enfin, mon playbook, par défaut, j'ai un truc qui dit rentre le mot de passe à la main de l'utilisateur. Là, on pourrait très bien dire ok, un truc mot de passe. Ma variable, ça sera user Kerberos, parce que c'est le nom de la variable qui est utilisée dans le playbook. Et dire c'est un mot de passe. Donc, quand je vais exécuter cette tâche-là, tu auras un pop-up qui dira voilà, mot de passe, tu rentres. Et c'est au début. C'est au moment de l'exécution de la tâche. Je le fais pas parce que. Donc en fait là voilà, vous avez défini vos trucs. Maintenant ce qu'il dit c'est. On va l'instancier. On va lancer le job. Donc vous avez ici des petites fusées qui vont démarrer. Donc là vous avez tous vos jobs. Enfin tout. Tous vos modèles qui sont là, qui vont lancer. Donc, okay, c'est sympa, mais maintenant je vais pouvoir les lancer les uns après les autres, comme il faut. Donc c'est là où il intervient la partie de workflow. Donc ici j'ai un workflow, vous retrouvez à peu près les mêmes choses, avec un petit visualisateur. Vous dites, ok, ben là je vais au démarrage du workflow, je vais faire du provisioning. Donc mon provisioning, qu'est-ce que c'est? Ben, je vais aller choisir le nom de mon modèle que j'ai appelé. Si c'est OK, donc là par en plus, là, je vais dire je vais installer celui-là, il n'y est pas. Voilà, donc vous avez tout un arbre qui est. Et une fois que c'est ça, que c'est comme ça, ben, il n'y a plus qu'à lancer le truc et puis ça va dérouler. Ce qu'on va faire. Donc on a vu là, j'ai mon workflow. Qui va faire tout ça, qui va provisionner mes instances, qui va installer tous les modules qui vont bien, et puis non. Donc là-dessus, j'ai plus qu'à faire. J'ai fermé. En gros, ce workflow, il ne va faire pas complètement sur Amazon. Alors, je vais te montrer. Je le lance, et puis après, on. C'est ici. C'est parti. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Provisionne, on va le voir ici, parce que du coup, j'ai mes playbooks à côté, donc on peut le voir directement. Donc la partie provisioning, c'est ni plus ni moins que ça. Donc je vais utiliser le module C2, qui va, il y a plein de paramètres, mais qui va aller mettre dans la région AWS une instance particulière de chaque. AWS instance. Donc ça, AWS install instance, je dois l'avoir ici. En fait, je vais créer ces quatre serveurs-là. OK. Ensuite, une fois que c'est OK, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va installer, alors je prends le truc le plus simple, le web server. Donc on va installer du SNMP parce que nous, on fait du monitoring, donc on veut s'assurer que le serveur est bien monitoré. Bon, je vous fais. Grâce de tous ces trucs là, c'est qu'en fait on va aller récupérer des données dans EC2 pour aller les injecter à droite à gauche. On va installer des packages HTTP, PHP, Git,
On va s'assurer que le service HTTP est démarré. On va créer tel répertoire, etc., etc., etc. Donc à la fin, vous aurez un site web qui est tout. Donc voilà, là, il est. Donc bon, je vais laisser tourner. Après, enfin, il n'y a pas de réel intérêt à vous montrer que ça, que c'est bon à la fin. Ça le sera. Si je reviens sur ma partie EC2, normalement, on devrait voir ici des VM qui sont en train de se créer. Donc ces trucs-là sont en train de se créer. Donc une fois que ça sera OK, je reviens ici, bah, ça va installer les trucs, etc. Donc le pot carré, le premier pot carré, c'est l'étape de... Ça, c'est la partie création des instances. Et après, il va les... Parce que justement, c'est un des petits trucs que j'ai vu. Quand vous cliquez sur, je sais pas si vous avez vu, j'ai cliqué sur détails. Derrière, après, vous avez toutes les informations. La même chose quand vous faites un Ansible Playbook. Donc, tout ce qui vous ressort, OK, change, tous ces trucs-là. Ça, c'est le résultat d'exécution. Voilà, c'est ça. Donc, on voit ici que y a eu un change, il y a eu deux. Okay. Si on clique dessus, on a un peu plus d'informations, voilà, au format JSON, tout le résultat de l'information. Donc ça, des gens qui utilisent Ansible sur leur poste, normalement, ça leur parle. Ou pas. Vous avez du coup, donc ça c'était la partie modèle, donc le truc lance, et après vous avez un tableau de bord qui vous liste un peu l'état des jobs, où ça en est, qu'est-ce que ça fait, etc. Avec des petits trucs ici qui clignotent pour dire, bah, voilà, là j'en suis en installation du serveur web. Si je vais cliquer dessus, voilà, il dit, voilà, il est là, il est en train de récupérer plein de trucs. Là, vous avez, bon, après, c'est plus de l'affichage, dire où ça en est, la liste des jobs, etc. Il y en a sûrement qui sont pas passés. Est-ce que j'ai du rouge ? Ouais, pas de rouge. Ouais, par exemple, ici, là, celui-là, il marche pas. En fait, si je vais cliquer dessus, bah, je vais retrouver qu'est-ce qui va pas. En fait, c'est ce que pour la démo, on a fait en sorte que le package Grafana puisse pas s'installer. Après, il est possible de relancer le job avec les mêmes paramètres, etc. Donc, voilà un peu à quoi sert Ansible Tower. Deux trucs à vous montrer encore, c'est toute la partie tâche. Il faut que je le retrouve. Donc ce truc-là, on peut dire, OK, on peut planifier ce job-là. Dire celui-là, il sera lancé toutes les heures. C'est une espèce de comptable. Bon, ça, c'est bien. Ce qu'il y a, c'est que ça peut être bien pour vérifier l'état de trucs, etc. Après, en fait, on va plus lancer des tâches sur des hooks, hein, sur des appels particuliers, notamment au niveau de la CI. Et voilà, je parlais de déployer des fichiers des WAR. Je vais déployer mon work une fois que le build est OK, que ça a passé tous les tests unitaires, etc. Et pas attendre une heure après que ton deployment soit fait. Là, dans l'inventaire des machines que tu as créées sur AWS, tu seras ajouté un inventaire ? Ouais. Donc là, si je reviens dans la partie inventaire, ici, hop, voilà. C'est que le dernier job qui a été fait pour cet équipement a été OK. Et ça va passer en rouge parce que... Donc là, ces machines-là, tu peux leur envoyer des commandes. Ouais. D'accord. Deux autres trucs, donc ouais, on a vu ça. Ouais. Des tâches à l'intérieur de Play. Donc là, je suis admin, c'est sympa, je peux tout faire. Maintenant, je suis simple utilisateur. Donc moi, en tant que simple utilisateur, je peux juste installer mon serveur web. En effet, je n'ai pas accès aux informations d'identification, etc. Dernier point, c'est la partie API. C'est qu'on peut aller piloter ça par l'API. Donc soit vous mettez au niveau du CI/CD, il y a un exemple avec GitLab CI, en fait on va dire OK, un truc bête et méchant,
si c'est passé, à ce moment-là, je fais un curl. Voilà, je vais poster un truc sur Ansible Tower, puis ça va déployer. Puis merci, au revoir. Donc derrière, ça donne des trucs comme ça. Là, c'est GitLab qui parle. Voilà, ça en fait, on utilise GitLab CI pour faire de l'intégration continue. Voilà, bon, c'est un exemple. Des webhooks, c'est ça, voilà. En fait, on va, une fois que tout est OK, on va aller dire à Ansible, paf, enfin Ansible Tower, lance-moi tel job. Avec toutes les options qui sont déjà paramétrées. Ouais. Donc, si je le fais à la main, en tant qu'utilisateur, donc là on va dire ok, va poster le template 13 qui correspond au web serveur. Normalement. Voilà. Il me renvoie plein d'informations pour dire ok, c'est bon, j'ai bien pris en compte. Et là en effet, voilà, hop, il y a un petit truc qui s'est lancé là, il est en attente. Yeah, mais c'est malin, je vais essayer de faire d'autres trucs maintenant. Je vais voir si je peux aller taper d'autres modèles, on sait jamais. Non, je sais pas les. Donc là, ça limite vraiment l'action, dire qui peut faire quoi. Okay. Donc voilà un peu pour la présentation démo d'Ansible Tower. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur ce truc-là avant d'enchaîner? Parce que c'est déjà 8h. Est-ce qu'on peut lancer des rôles avec. Alors, tu peux. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on appelle un playbook qui va appeler des rôles. En fait, si je reprends ici, moi, mais. Tu peux pas? Voilà, tu vois, oui. Sinon on fait, en fait, tu fais des temps des rôles. Et avec l'API, il y a la notion d'utilisateur aussi, on se connecte. Alors ici, tu vois, j'ai mis, alors c'est crado, hein, mais j'ai mis mon login, mot de passe. Après, tu peux avoir des jetons, voilà, des clés d'API, tu peux avoir ça. La tower là, c'est derrière une base de données, il y a un serveur d'application web. Alors je crois que c'est du Django derrière, au niveau de la partie web. Il y a une base de données Postgre pour gérer toute la conf. Il y a du RabbitMQ pour gérer toute la partie messaging. Je crois qu'il y a du MongoDB aussi. D'accord, donc tout ça en fait, ça vient avec la commande d'installation. Ouais. En fait, quand tu installes Ansible Tower, tu as un playbook avec des options. Tu dis je veux ça sur un mono serveur, ou je veux ça éclater mes composants sur plusieurs serveurs, sur ma base de données, sur mes frontaux, etc. Tu peux faire ça. Là aujourd'hui, j'ai ça sur une VM, j'ai tout sur ma maison de serveur. Est-ce que ça a du sens d'utiliser ça pour un modèle d'astreinte auquel ne sont pas forcément hyper techniques, qui ne sont pas super bien comment c'est fait, et normalement tout ce qu'on veut, c'est qu'on constate qu'il y a un problème. Et ouais, mais tu peux créer un playbook qui va bien pour redémarrer les services et après tu peux faire aussi des tâches planifiées pour faire des checks pour vérifier que ton truc en avance de phase et tout. Après on peut nous on fait aussi du monitoring, on peut faire ce qu'on appelle de l'auto-rémédiation, c'est à dire que tu as Nagios ou autre, du Prometheus ou ce que vous voulez, en fait il détecte qu'il y a un incident. Et en fait, il va, au lieu de t'envoyer un mail pour dire tiens, il y a un incident, il va lancer une commande Ansible. Et là, si ça ne marche pas, à ce moment-là, t'es. Quelle procédure en fait, une procédure. Là, l'avantage de Tower, c'est que t'as tout sur un même serveur et n'importe qui peut aller piloter depuis l'extérieur avec les droits qu'ils ont. Niveau ressources, Tower, c'est comment? Alors, il faudrait que je regarde, mais je crois qu'il faut au moins 4 CPU, 8 Go de RAM. Il a dit qu'il y avait du MongoDB. Ouais. Enfin, je crois qu'il faut. Ouais, faut que ça ne tourne pas sur un petit serveur. Là, j'ai une VM, ça va, j'ai 4 autres qui se courent après. Ça peut être vite gourmand. Allez, on a bientôt fini.
Donc tout ça pour vous dire, un petit Voltaire, c'est bien. Et, en fait, ça nous permet aussi de voir qu'il y a eu quelques tips sur comment créer vos plays d'une part, pour que les exploitants derrière puissent le faire fonctionner correctement, et puis même pour vous, pour que vous ne soyez pas perdu. Donc là, j'ai listé quelques règles qu'on essaie d'appliquer. Premièrement, c'est nommer vos tâches. S'il vous plaît, nommez vos tâches. Faire un truc juste YUM ou APT install tel package, c'est pas beau. Parce que derrière, dans votre liste, en fait, vous aurez juste dire il y a YUM qui est passé. Un truc que j'aime bien aussi, c'est utiliser les handlers. Donc, je sais pas si ça vous parle. En fait, dire ok, je vais déployer bon, pour la partie HTTPD, je vais installer un VHost, je vais activer le SSL, je vais déployer tel module, de Apache qui va bien, etc. Et une fois que tout ça est bon, je vais dire tiens, redémarre mon Apache. En fait, Apache sera démarré vraiment qu'à la fin. Dans certains cas, il faut pouvoir redémarrer le truc au milieu pour prendre en compte des configurations. Donc il y a soit vous dites ok, vous faites une tâche, redémarre-moi le service, ce que perso j'aime pas trop. Soit il y a la possibilité d'utiliser Flush Handler. Surtout que si on redémarre le service de manière systématique alors qu'il n'y a pas eu de modification de conf, ça peut créer une interruption, alors que le handler ne s'exécutera que si. Voilà, donc de base un handler se termine à la fin de playbook. Là il y a possibilité de dire ok, prends en compte s'il y a des événements à faire, et je le fais au cours du playbook. Donc, ce qu'on va appeler, donc c'est la tâche méta avec Flash. C'est genre un callback. Ouais. Celui-là, la yum 2 points, ça sert à quoi? Ça, c'est une tâche qui va. Dans un fichier. Ça, c'est dans un playbook, c'est une tâche. C'est une tâche qui dit assure que le package HTTPD est bien en dernière version. Ça, c'est un bon nommage ou ça, c'est un bon nommage? Ça, c'est mauvais, parce qu'on t'as pas le. Tu sais pas. Je vais tout, j'ai l'exemple. HTTPD. Ah non, parce que la même HTTPD, ça dit juste. Voilà, quel package je suis installé. J'ai le truc juste après. Mais quand tu l'exécutes, il va juste te dire voilà. On a lancé ta chaîne. Tu ne sauras pas que c'était. Que tu as installé. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Je te montre après. Aussi, il y a la partie BICOM. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. BICOM, c'est dire avoir les droits, enfin devenir faire la commande en sudo. Beaucoup de gens qui disent ok, BICOM en tout début de mon play, et hop, je lance tout en sudo. C'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? Parce qu'il peut y avoir des problèmes de gestion de droits, des choses comme ça sur des fichiers que vous voulez poster qui finalement seront mis avec les droits hôtes, alors qu'en temps normal, c'est pas ce que vous auriez fait. C'est déjà en transaction, quelque chose comme ça? Non, c'est qu'en fait, tout ce que tu vas exécuter, c'est comme si tu l'exécutes en route. Donc l'idée, c'est de limiter les tâches qui ont besoin d'être route. D'accord. Voilà. Exécuter route que si nécessaire. Petit truc sur la partie package, parce que c'est ce qu'on utilise quand même assez souvent. Moi, je préfère la partie, quand tu dis vérifie que tel package est installé, il y a soit dire state present ou state latest. Bon, les tests, on va éviter sur du truc récurrent, parce que des fois, ça peut te faire des mises à jour que tu n'avais pas forcément prévues. Un petit truc que j'ai vu dernièrement, c'est la partie loop ou install, c'est que vous pouvez sur du YUM dire ok, je vais faire un install, enfin YUM ou APT, de plusieurs packages en même temps. Donc ça c'est cool. Ce qu'il y a, c'est que sur le résultat d'exécution, vous n'aurez pas le détail. Donc là-dessus, utilisez plutôt la partie loop. En fait, c'est l'ancienne méthode, mais c'est celle que je préfère. Exemple. En fait, ça marche bien parce que les modules APT et tout ont été optimisés pour le gérer proprement en interne. Ouais. Sinon, c'est extrêmement lent. Si on fait si c'est en mode classique, une boucle, ça va invoquer l'installation à chaque fois. Là, ça ne l'invoque pas à chaque fois, mais ça fait un retour qui est pertinent. Ouais. Bon, après, moi, j'ai jamais eu à rester trop de packages à la fois. Donc, après, qu'il y a une pertinence sur le nombre de paquets. Donc là, j'ai l'exemple comment on fait. Donc là, c'est un truc sans name, un truc avec juste une liste et un truc avec du loop. Et on va voir que, si je fais. Je peux
3. Donc là, je lance mes trois tâches. Première tâche, APT. Voilà, en effet, j'ai fait une tâche APT. Mais qu'est-ce que ça a fait derrière? J'en sais rien. J'ai pas nommé ma tâche. Après, j'ai fait un listing de tâches. Donc, ok, en effet, tous mes packages sont installés. Mais je ne sais pas lesquels. Le loop, là, en fait, on sait. Ça, c'est ma vision des choses. C'est que j'ai un détail un peu plus précis de qu'est-ce qui est. Ce que tu as souligné là, c'est une des lignes de la sortie du mode loop en mode loop de serveur. Ouais. Si tu mets tout ta liste dans le seul module, dans la seule tâche, par défaut, t'as pas ce niveau de détail. Et là, encore une fois, c'est parce que le module Loop a été conçu pour ne pas faire juste une invocation en boucle, ouais, du module Loop, mais une prise en compte globale. Ça se voit parce que task install sur le package est écrit une seule fois. Ouais. Alors que si on faisait par exemple la commande, on verrait le nom de la commande à chaque fois. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est que si tu cliques dans ta liste, tu rajoutes un module, tu ne seras pas dans ta liste, lequel a été installé. Tu auras un état change, mais tu ne sais pas de ta liste laquelle. Bon, après, ça, c'est. Voilà, c'est un retour perso. Allez, on a bientôt fini. Non, parce que du coup, c'est un terme qui est générique. Ouais. Autre point au niveau des assertions, je crois que vous en aviez parlé au dernier meetup. En fait, en début de playbook, on peut dire je lance le playbook que s'il y a telle variable qui est définie, des choses comme ça. On peut le faire aussi sur Ansible, la version Ansible. Moi, mon playbook, il a été validé avec telle version pour éviter des problèmes des régressions. Cas concret, sur Ansible 2.8, quand tu fais du rsync avec de SSH login password, ça marche pas. On s'est retrouvé embêté à cause de ça. Truc aussi, là, quand je me suis amusé à faire la démo sur AWS, en fait, on avait deux parties. Une partie, on crée les VM et après, on les provisionne. Ce qu'il y a, c'est que entre le temps où la VM est créée et dit OK, c'est bon, je suis en train de créer, et le moment où tu dis bah, je vais déployer, il y a un flou artistique. Tu veux dire le temps que la VM soit disponible. Voilà, parce que tu vas dire à ton aimant, tu vas demander à AWS est-ce que ma VM est là. Il dit oui, j'ai toutes les spécificités. Ce qu'il y a, c'est qu'elle n'est pas encore démarrée, etc. Donc là, on va faire du wait. Alors, on va faire du wait d'une part, mais aussi, quand vous démarrez un playbook, la première chose qu'il fait, c'est qu'il fait un gather facts. C'est-à-dire qu'il va aller rechercher toutes les informations de la VM. Ce qu'il y a, c'est comme les pandémies encore démarrées, ben, je ne peux pas aller rechercher ces informations-là. Donc on le fait. On fait à l'inverse, okay. Bon, on récupère pas les informations, on attend qu'elles soient bootées, et une fois qu'elle est bootée, là on va récupérer les informations. Donc là, c'est le fameux tâche. Il va boucler ou il y a un temps d'attente? Là, tu dis ici, alors par défaut, c'est 60 secondes. Après, dans le wait for connection, tu as des options pour dire le nombre de secondes que tu veux. Allez, encore deux slides, et puis après on a terminé, après il y a les pizzas. Pour la partie role, je ne sais pas si d'entre vous utilisent les fichiers requirement.yaml. En fait, vous avez un playbook qui va appeler des rôles, et pour dire je vais appeler tel rôle, en fait, vous allez créer un fichier qui s'appelle requirement.yaml, qui va ressembler à ça. C'est un standard. Ouais. En fait, c'est quand tu vas appeler la commande Ansible Galaxy. Tu définis dans ton royaume, enfin c'est comme du Python, dans tes requirements.yaml, tous les rôles que tu veux, et avec Ansible Galaxy, il va chercher tout ça. Rôle, tu veux dire gestion des droits? Non, c'est que en fait, c'est, les rôles, c'est une liste de tâches spécifiques à un domaine.
À un domaine, voilà. En fait, quand t'as un gars qui va déployer du serveur Apache, il va faire un rôle Apache, grosso modo, où il dit, ben, il y a ça, ça peut être. Et toi, tu vas aller agréger un peu tout ça. C'est un modèle, en fait. Voilà. Et donc, il est possible de, du coup, de faire un fichier recueillerman.yml qui va récupérer tous les rôles dont vous avez besoin par défaut. Donc, ça ressemble à ça. Hein. C'est du YAML. Ce qu'il y a, c'est que par défaut, les gens qui font du dev connaissent bien le problème, c'est que ça va récupérer le head de la branche git, si vous utilisez du git. Et donc, un jour, ça va marcher. Puis, le lendemain, quelqu'un qui a fait des commits sur la branche, ça ne marchera plus. Tu connais ça, Visa? Donc nommer, enfin taguer bien ça. Donc la possibilité de mettre ici une version. Voilà la partie, toujours par la partie rôle, essayer de bien splitter dans vos rôles les tâches. Dire j'ai un truc pour la partie provisioning, pour la partie configure. Ça fait partie des best practices Ansible. Typiquement, je veux dire que okay, là je devais déployer sur AWS. J'ai une tâche qui fait le déploiement des VM et l'autre qui va configurer ces VM-là. Parce que demain, vous changez de provider, vous passez chez Wolix. J'ai plus qu'à éditer mon truc produit. Est-ce qu'on peut cacher les logins et passwords dans le tableau, tout ce qui est inventaire? Oui, justement. Enfin, toutes les informations d'identification. Toutes les credentials qui vont chez AWS, on peut les cacher? Bah, tu les as. Enfin, tu as un droit admin qui permet d'y accéder, mais l'utilisateur lambda n'a pas besoin d'y accéder. Donc lui aussi peut, faire la même chose, mais avec de l'hyper-V, voilà. VirtualBox, des choses comme ça, il peut aussi parler avec. Après, t'as pléthore de modules. Ouais, ça fonctionne. Dernier point, voilà. Ce qui est sympa aussi, c'est que quand vous avez fait vos rôles, vous dire tiens, finalement, il y a qu'un petit truc que je vais appeler de ce rôle-là. C'est possible avec la partie task from. Et dernier point qu'on a vu, c'est tout ce qui est quand vous êtes plusieurs à bosser sur plusieurs rôles, c'est nommer correctement les variables. Enfin, au moins, ayez une nomenclature de nommage des variables. Pourquoi ? Parce que. Comment ? Alors, j'y viens. Ça, c'est. Est-ce qu'il y a des gens qui font de l'Elasticsearch ? Et vous ne connaissez pas ECS ? Ah, le Common Scheme. L'idée, ça serait de s'inspirer de l'Elastic Common Schema pour ce genre de truc. Enfin, ils font des choses bien. Pourquoi pas s'en inspirer ? Pourquoi ? Pour éviter dans les variables, dire j'ai fini 5 fois la même chose. Quoi. Et le dernier slide, après on a fini. Sur Tower, on a vu là quand je fais un curl sur mon API, c'est génial. Ça me dit ok, c'est bon, ça déploie. Ce qu'il y a, c'est que ça vous dit ok, j'ai pris en compte, je déploie. Mais vous n'avez aucune idée si le retour est bon. Donc si vous voulez faire ça, à ce moment-là, il faut aller un peu plus loin et aller requêter. Enfin, là, j'ai pas plus de billes là-dessus, mais enfin, vous pouvez aller demander au job l'état où il en est, si il y a un bon retour, que la tâche s'est bien exécutée. Voilà, c'est ça, c'est bon, j'ai bien pris en compte ta demande, je vais la traiter, par contre... Là, c'est le résultat d'un appel de job sur ta voix. Voilà, il te répond 200 ok, j'ai bien pris en compte, je vais l'exécuter, mais tu sais pas si... Il n'y a pas d'autres ressources pas si, après, je t'invite à lire le doc API. Il n'y a pas d'autres endpoints ou si, c'est tout. Si, mais voilà, si vous voulez débuter là-dessus, sachez que... on parlait des rôles justement, donc Ansible Galaxy, c'est une espèce de marketplace où vous avez plein de rôles faits par plein de gens. Donc il y en a des biens, il y en a des moins biens, il y en a des très complets, il y en a qui ne servent à rien. Bon, il y a à boire et à manger. Voilà, trop complet. Donc c'est très bien pour voir un peu comment ça fait, vous dire tiens, demain je veux déployer un serveur achat proxy. Bon, vous allez voir ça, il y en a qui l'ont fait, c'était très bien, etc. Après, faites plutôt vos propres rôles. Je préfère faire comme ça. Parce que il y en a, voilà. Un chat proxy, ça va déployer du Debian 6, 7, 8, 9, du Red Hat, du CentOS, du SUS, du etc. avec 36 000 options. Ça s'en fout. Dernier point aussi, c'est si vous avez un dépôt local, c'est toujours bien de cloner les dépôts sur votre dépôt local le jour où il y a une indespo. Et voilà.
fait, dernier point au niveau des. Voilà, faites attention aux montées de version. Justement, un coup de régression chez nous. Et utilisez Virtual Env au niveau Python, quand vous êtes sur votre poste, pour pouvoir jouer avec plusieurs versions de Ansible. Et d'ailleurs, c'est rigolo, c'est que c'est un des premiers rôles qu'on a fait chez nous. C'est Ansible qui installe Ansible. Avec tous les modules qui vont bien. Pourquoi ? Parce qu'on déploie du VMware, donc on va installer les modules Python qui vont bien. Et voilà, pour ne pas pourrir le. On voit pour les tips. Bon, finalement, j'ai pas fini. C'est la partie inventaire dynamique, mais je pense que je vais passer très très vite là-dessus. Donc, un client nous a dit ok, c'est bien sympa vos trucs YAML où je décris mes ports, mes machins, etc. Sauf que je m'en sors pas. Moi j'ai Excel et c'est très bien. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé pas longtemps un petit script Python qui va lire ce fichier Excel et générer du YAML. Donc, je ne sais pas si on voit bien. Mais grosso modo, vous avez le nom. Ici, c'est le nom du device, voilà, le nom du port, le VLAN, les choses comme ça. Puis qu'on appelle l'inventaire dynamique. Derrière, ça nous crache ni plus ni moins qu'un truc comme ça. Voilà. Au format JSON, vraiment l'état d'un port. Ça part le fichier Excel et ça le fait. Donc demain, le client, il dit tiens, je vais changer le port, etc. Il voit le fichier Excel. On met ça à la moulinette et ça nous génère l'inventaire. Ça j'ai créé dynamiquement l'inventaire avec les variables qui vont bien pour pouvoir appeler nos tâches. Donc là il y a deux tâches, iOS, donc niveau 2, niveau 2, pour dire voilà si je suis en mode trunk, tous ces trucs-là. Bon, après ça c'est le gars qui a fait le script qui faisait beaucoup. Mais en fait on sait. Le YAML c'est bien, mais il y a quand même une limite au moment donné où quand tu as un truc ultra verbeux, que t'as pas une CMDB à part. Voilà, nous on est vraiment dans la phase construction, tu pars de rien. Voilà, quand tu dis au cas, voilà, décrivez-moi au format YAML chaque interface de ce type-là. Ah ouais. Donc là c'est un peu. On a fait la même chose avec un annual DAB. Voilà. C'est fini. J'espère que ça vous a plu, que ça a pu répondre à certaines de vos questions. Sinon, ben, n'hésitez pas, je vais manger des pizzas et boire des bières avec vous après. Et puis, voilà, merci d'avoir écouté et puis peut-être à une prochaine fois. Merci.